Michaud, vous avez tenu commerce dans cette maison pendant longtemps. C'était d'abord un commerce qui a été fondé par mon grand-père en 1859. Et puis, ça passait à mon frère, puis après ça, c'était à moi-même. Et m'en suis défait en 1971. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir brûler ça ce matin? Ça fait dur. C'est difficile de voir brûler. Est-ce que vous êtes satisfait du travail des pompiers? C'est très satisfait. On peut pas. Même, je trouve que c'est des gens très méritoires. Ils font leur devoir et puis c'est très pénible de les voir travailler. C'était construit comment, cette bâtisse-là? C'était construit en briques solides. Et au premier étage, les murs étaient faits avec 5 briques de largeur. Et les étages supérieurs, c'était 3 briques solides. C'était isolé comment? C'était isolé avec de la laine. C'était isolé ça va pas très longtemps que c'est isolé, parce qu'autrefois, ils n'isolaient pas. Hein. Et puis, quand on a fait des réparations, ben, on a isolé les murs. Il y avait du brandy dans les murs, probablement? Non, c'était isolé en laine minérale. Et puis, les planchers, par exemple, étaient isolés avec du crépi. Les entre-planchers étaient tous pleins de crépi pour isoler d'un étage à l'autre. C'est difficile à dire. Le coup dans le bas d'escalier, demain sur la porte centrale en avant, on m'a dit que la porte n'était pas barrée. On peut supposer que quelqu'un a mis le feu ou qu'il peut avoir un système de chauffage qui a pu avoir mis défectueux ou l'électricité. Mais notre première hypothèse, nous autres, on pense que vu qu'il y a eu un pyromane là, qui se promène pendant une semaine ici sur la rue Bergin et la Côte-Passage, ça pourrait être ça. Maintenant, vous avez eu beaucoup de difficultés à combattre les flammes. Oui, on a beaucoup de difficultés parce que c'est une bâtisse qui date de au-dessus de 100 ans. Les murs sont très épais, la fumée nous envahit tout le temps. Et puis, compte tenu de l'eau, c'est la pression suffisante, nous avons suffisamment d'hommes, mais c'est la fumée surtout qui nous empêche. Monsieur le maire Vincent Chagnon, quels sont vos commentaires à la suite de cet incendie? Réellement, je suis entièrement désolé. C'est une bâtisse qui fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, qui disparaît. Une bâtisse depuis 1859, et je pense que toute la population de Lévis partage les sentiments que j'éprouve dans le moment. Ça va faire un autre gros trou au centre-ville? Malheureusement, oui, parce que c'est une partie principale de le centre-ville, que nous avons l'intention d'améliorer, de rénover. Ça affecte sensiblement pour la revitalisation du centre-ville. Qu'est-ce que vous allez faire? Pouvez-vous faire quelque chose? Dans le moment, je trouve que c'est prématuré pour y mettre une opinion. Je crois qu'il n'y a pas d'erreur, que mon conseil va se pencher de façon à donner la vigueur qu'on espère tous fournir au centre-ville de Lévis.
Merci, M. Gagnon. Au revoir. Chef Magier, la question que les gens se posent, est-ce qu'une vingtaine de pompiers, c'était suffisant pour combattre cet incendie-là ce matin? Ben, je peux pas répondre à cette question-là pour le moment. Je ne connais pas exactement de quelle façon que l'alarme a été donnée. Est-ce que c'est un incendie qui nous a été rapporté? Il semblerait que c'est un incendie criminel que nos patrouilleurs ont découvert. Je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Mais il y a maintenant 8 heures que ça brûle. Vous n'auriez pas dû appeler du renfort d'ailleurs? Je pourrais pas vous répondre là-dessus non plus. Moi, j'ai été mis au courant vers les 8h30 ce matin. Je n'ai pas été informé avant ça. Et est-ce qu'il est dans vos habitudes de faire appel à Lauzon, par exemple, lorsque vous avez des incendies majeurs ou si... On a des ententes verbales faites avec le service des incendies de Lauzon. Ce n'est pas arrivé tellement souvent où on a eu à faire appel aux pompiers, à nos confrères de Lauzon. Ça est arrivé à l'occasion, strictement pour avoir de l'équipement en supplémentaire. Mais à ce moment-là, quand vous en avez eu que l'incendie, il y avait déjà 5 heures que vos hommes étaient sur les lieux. Il y a des hommes qui travaillaient depuis tard hier soir. Vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, vous auriez pu appeler ailleurs, en renfort? D'après vous, on aurait pu appeler qui? Ben, si vous avez des ententes avec les municipalités voisines, que ce soit Saint-Romuald, que ce soit Lauzon... On a une entente avec la ville de Lauzon. On a une entente verbale. Mais vous n'avez pas eu recours à cette entente-là? Ben, d'après ce que j'ai pu voir, il y avait un camion des services des incendies de Lauzon qui était en arrière. Mais il n'y a pas d'hommes? Oui, il y a des hommes là. Il y a juste l'opérateur de la pompe, il n'y a pas de pompiers supplémentaires? Je crois avoir vu des pompiers de Lauzon, oui. Maintenant, il y a près de 9 heures que l'incendie fait rage. Vos hommes sont ici depuis 3 heures ce matin. Avez-vous l'intention de les faire relever d'une façon ou d'une autre? Les faire relever? Oui. Ça ne devrait pas être tellement long maintenant. Habituellement, ces feux-là, ce qui arrive, ce sont des bâtisses tellement vieilles. Vous avez à l'intérieur de ça du brin tissé comme isolant. Alors, ce n'est pas tout à fait comme une bâtisse récente, une structure avec l'isolation. Alors, c'est normal que ça soit plus long. Merci beaucoup. C'est ça, il est brûlé dans le coup. Une minutieuse enquête est donc en cours afin de déterminer hors de tout doute la cause de cet incendie qui laisse des pertes de plus d'1/4 million de dollars au centre-ville de Lévis. Ici Gilles Jovidon, à Lévis.